Bonjour à tout le monde. Bonjour. Quel que soit le combat que l'ennemi verse sur toi, quelles que soient les attaques que tu reçois, résiste. Quel que soit le combat que l'ennemi verse sur toi, quelles que soient les attaques que tu reçois, résiste. Ne dis pas un mot. Ne change pas d'humeur, ne te fâche même pas. Ne dis rien. Je te bénis. Bonjour. Bon, je sais que ça va bien chez vous. Et de mon côté, ça va super bien. Vrai qu'on parle des attaques spirituelles. Bonjour TikTok. Bonjour Amira. Salam alaikum. Ok. Je demande la présence de vos ancêtres. Okay. Je demande la présence du Saint-Esprit pendant que je parle. Que la lumière se fasse pendant que ma bouche est en train de parler. Et je vous sors aussi de toutes ténèbres dans lesquelles vous êtes. Je demande que la direction dont vous avez besoin depuis longtemps vous soit donnée pendant que je parle. Je viens contre les entités négatives. Je déclare que vous allez devenir votre meilleure version. Je déclare que vous allez devenir votre meilleure version. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, je me rends juste compte que on n'a rien demandé à l'ennemi. Ok?
On n'a rien demandé. Tu vois, quand tu grandis, tout ce que tu veux, je veux vivre ma belle vie, une bougie par contre. Je veux vivre ma meilleure vie. Je veux me marier. Je veux avoir mon boulot. Je veux avoir mes enfants. En fait, tu veux fréquenter, tu finis l'école, tu trouves le boulot, tu te maries, tu as tes enfants. Tu ne veux pas déranger quelqu'un. You don't want problems, you want peace. Maintenant, je viens vous dire que si on laisse même les gens qui vont te déranger physiquement, supposons que tout le monde est en paix avec toi physiquement, hein? Spirituellement, tu n'auras pas de repos. Tu n'auras pas de repos. L'ennemi ne dort pas. Dave, bonjour. Miss, bonjour. Merci pour le compliment. À une époque, tu avais telle chose, tu étais marié, tu avais une grosse voiture, tu avais ceci. Maintenant, tu parles de toi au passé. Au passé continue. Tu parles, okay. Tu parles de toi au passé. Merci, Morissette. J'avais. Amber, bonjour, merci. Mathilde, bonjour, merci. Si vous avez les compliments, donnez-les. Donnez vos compliments alors. Merci. Merci. Merci Pierre. Youms, bon, merci. Erika, merci. Lazeni, merci. Jalou, merci. Viviane, merci. Bonjour. Ariane, bonjour et merci. Tania, oups. Merci. Marcel, merci. Merci pour vos bénédictions et vos prières. Dexter, merci. Boss, merci. Audrey, merci. Ariane, merci. Claudia, merci. Élise, merci. Johnson, merci. RH qui dit que je suis vraiment la reine lumière, merci. Linda, merci. Popo, merci. Merci. Bumba. Exxon, merci. Reine Diane, merci. Abir, merci. Patrick, merci. Fleurette, merci. Merci. Je déclare sur vous la paix. Queens, merci. Abdoulaye, merci. Pierre-Marie, merci. Odile, merci. Victoria, merci. Judith, merci. Je déclare sur vous toute beauté qui a été enterrée. Vous m'avez demandé de déclarer, non. Toute tante qui vous a attaché, tout oncle qui vous a attaché, toute personne qui vous a mis dans un trou, dans une calebasse, dans un verre, dans une bouteille. Je brise cela aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous devenez votre meilleure version. Tu deviens, écris si je deviens ma meilleure version. Je déclare que tu maximises tout sur toi. Si tu as les beaux yeux, je déclare que tu mets tes yeux en valeur. Tu as les beaux cheveux, je déclare que tu les mets en valeur. Et c'est reconnu, c'est vu par tout le monde. Toute douleur dans ton corps qui fait que tu n'as même pas la volonté de te mettre à jour. J'écrase, j'anéantis ces douleurs au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu ne te prends plus pour 5 francs. Tu ne te prends plus pour 5 francs au nom de Jésus. Tu ne te prends plus pour 5 francs au nom de Jésus. Tu ne te prends plus pour 5 francs au nom de Jésus. Tu te positionnes pour attirer l'homme que tu désires. Tu te positionnes pour attirer la femme que tu désires. J'enlève de ta vie les personnes qui te tiraient vers le bas. Vous savez qu'il y a le club des obèses, non? Oh, on est grosses ensemble. Alors que toi, tu n'es pas grosse, tu es une fausse grosse. Le club des femmes qui ne font pas ceci. Oh, le club des femmes qui font seulement les tresses bizarres sur leur tête.
Je te sors de toute association négative qui te dévalorise. Au nom de Jésus-Christ. Je te sors de toute compagnie, toute personne dans ta vie. Chaque jour, je viens s'asseoir dans ton magasin. Elle t'appelle le matin. Elle vient avec elle sans confiance. Tu te dis que ah, je vais même m'habiller comme ça, je vais pas où. Elle va dire que tu veux montrer que tu es qui, tu veux montrer que tu es. Je ne veux rien vous montrer. Je déclare que tout ce que tu aimes à l'intérieur de toi, que tu avais abandonné, tu reprends cela aujourd'hui au nom de Jésus. Toutes les belles choses, les beaux vêtements, les belles maisons, au nom puissant de Jésus. Tu ne te négliges plus. Tu ne te laisses plus au chien. Je vous sors de tout trou familial. Ah, tu as vu qui dans notre famille? Tu as vu qui dans notre famille fait ce genre de choses? Hein? Tu as vu qui dans notre famille qui porte le genre d'habit là? Je vous habille. Je vous décore. Je change votre garde-robe au nom de Jésus. Je change votre garde-robe au nom de Jésus. Je change votre garde-robe au nom de Jésus. En fait, tu sais que tu peux si tu veux. Mais depuis, tu n'avais pas la volonté. Je mets la volonté en toi maintenant pour t'améliorer. La volonté pour faire le sport. Reçois la volonté pour faire le sport au nom de Jésus. La volonté pour faire le sport. La volonté pour faire le sport. Oh. Reçois ta volonté. Depuis que tu as accouché tes 4 enfants là, tu ne veux plus t'arranger, n'est-ce pas? Hein? Depuis que tu as accouché 4 enfants, tu ne veux plus t'arranger. Je n'ai pas de papier. Je déclare que tu vas t'habiller même plus qu'une première ministre au nom de Jésus. Tu te mets en valeur. Tu te mets en valeur. Tu arrives dans un bureau, on te respecte. On donne tout ce que tu désires. Ah, je n'ai pas les papiers. Je n'ai pas. Je déclare que toute excuse que tu avais dans ton esprit pour te laisser à terre, pour ne pas jeûner, pour ne pas payer ta dîme, pour ne pas te remettre en ordre. J'enlève les excuses de ton esprit au nom de Jésus. Je te délivre à cet instant de tout esprit de lourdeur, de laideur, d'appauvrissement au nom de Jésus. Tu deviens ta nouvelle version. Tu sais qu'il y a des mariages parfois qui sont restaurés quand la femme se met seulement bien, non? Je vous dis comme les blagues. Hein? Tu t'arranges encore ça, ton mari te regarde. Il change avec toi. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui n'était pas laid, sa mère n'était pas laide, que tu ressors ta beauté. Tu sors de tout trou dans lequel on t'a déposé. Tu t'arranges au nom de Jésus. Je ne suis pas là pour donner des astuces, je suis là pour prier. Je vous libère de la pauvreté. Je vous libère de la fatigue. Je vous libère de la paresse. Remets-toi au sport. Achète les gains, tu mets sur ton ventre. Je déclare que tu vas rentrer dans 40 jours de jeûne au nom de Jésus. 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. Tu voulais faire depuis. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Tout voile de laideur qu'on a mis sur toi, je retire, j'enlève ce voile. Toute personne qui tire du plaisir à te voir mal, tu sais que souvent, souvent tu restes comme ça, tu es tellement bien. On voit, tu tombes, tu es bien habillé comme ça. Juste pour ça, ça dérange les personnes. Tu arrives quelque part, on voit, tu sens bon. Ça les énerve. Je déclare que ton âge n'est plus un frein pour toi. Oh, tu sais que j'ai 3 enfants, non? Ah, depuis que j'ai... Oh, je vous sors, je te sors de la tombe. Et que je sors de ma tombe. 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 Sors de cette tombe au nom de Jésus. Sors de cette tombe au nom de Jésus. Toute cendre qu'on avait versée sur toi, tout voile qu'on avait mis sur toi, j'enlève. Je te sors de cette tombe commune, de cette fosse commune dans laquelle on t'a déposé. Et crois-moi, quand tu vas commencer, ils vont venir. Ah, c'est maintenant ça que tu fais, hein? Oui. Sortez de votre tombe au nom de Jésus.
Sortez de votre tombe au nom de Jésus. Toute personne qui tire du plaisir à te voir mal en point, à te voir laide, à te voir mal habillé. Il y en a ici, ça fait 6 mois que tu vas acheter un nouvel habit. Je renouvelle ta garde-robe. Je renouvelle ta garde-robe au nom de Jésus. Merci le roi Xavier. Je renouvelle ta garde-robe. Toute association, les amis qui sont là pour t'alourdir, ah, tu sais, est-ce qu'on a même besoin de ça? Tu sais vraiment, te voilà, tu te négliges. Je déclare que les gens vont te demander l'argent parce que tellement tu respires l'argent. Est-ce que la femme si? Oui. Je vous sors des tombes dans lesquelles on vous a déposé. Un homme t'abandonne avec les enfants. Tu restes à mon sol. Je te lève de ce sol-là. Écoute, tu sors de là où l'homme là t'a déposé. Tu te lèves. Tu te lèves. Il t'a laissé les parties, hein? Tu te relèves. Tu te relèves. Tu te relèves. Tu te relèves. On lui dit seulement que papa, ton ex là, est-ce que tu sais que ton ex est... Hey! Elle est maintenant entre deux avions. Recevez le visa. Recevez vos voyages. Merci Franchin. Tout endroit où on t'a attaché, on t'a immobilisé, on t'a laissé pour mort. Je te sors de là au nom de Jésus. On t'a laissé pour mort. Il y a des familles qu'un homme commence avec toi. Ses soeurs te détestent tellement. Les soeurs te frustrent dans la relation là. Elles veulent que quand ton frère te laisse, que tu sois seulement l'épave. Je restaure la faveur que tu avais avec cet homme avant au nom de Jésus. Je restaure la faveur que tu avais avec cet homme avant au nom de Jésus. Vous savez qu'il y a des gens qui sont jaloux de l'amour qu'on vous porte, non? Et pourquoi il aime trop sa femme comme ça? Pourquoi il aime trop? Pourquoi elle aime trop son mari comme ça? Je remets la joie dans ton cœur. Tu peux être belle, ton mari est beau. Vous avez l'argent. Je restaure, je restaure, je restaure. Je restaure ta faveur. Je restaure ta faveur, ma chérie. Je restaure, j'enlève les cabas sur toi. J'enlève les cabas sur toi. Bonjour, Christopher. J'enlève le cabas sur toi au nom de Jésus. Je te sors de cet endroit. À un moment, tu t'habillais, tu mettais les perruques. Tu es tombé dans une église. On te dit vraiment, ma fille, ça là, Dieu n'aime pas ça. Que si tu fais ça, tu vas épouser le frère Bimpe. Te voilà. Brother Bimpe is gonna marry you. Tu enlèves tout, tu jettes. Tout ce que l'ennemi a fait, que toi-même, ça fait que tu t'abandonnes, tu te jettes. Je te libère, je te libère, je te libère. Que tu sois la meilleure version de toi. Vous riez. Ah. Il y a les libérations qui sont en train de se passer. Ne simplifiez pas. Tu arrives dans une famille où ça, tu t'habilles bien. Les soeurs commencent. Donne-moi ta perruque. Donne-moi ça. Elles vident ton amour. Elles empêchent leur frère de te donner l'argent pour que tu achètes l'autre. Ils t'empêchent de sortir pour travailler. Faillite. Te voilà au sol. Je restaure tes activités. Je restaure tes activités au nom de Jésus. Je restaure ta beauté au nom de Jésus. Je restaure ta beauté au nom de Jésus. Je restaure ton argent au nom de Jésus. Je viens restaurer ta garde-robe. Je restaure ta garde-robe au nom puissant de Jésus. On jeûne aujourd'hui. Donc il y a la prière à 18h. Je restaure ta garde-robe au nom de Jésus. Tu deviens ta meilleure version. Recevez, recevez, recevez. Ah, quand j'étais jeune, il y a 5 ans, il y a 10 ans, j'étais... Je déclare que cette onction revient sur toi. Ça revient, maman. Écoute bien, c'est en train de revenir. Au nom de Jésus. Tout en gros, ta belle famille t'avait enterré. Tu es sorti d'un mariage. Depuis que tu es sorti du mariage avec l'homme, tu n'es pas debout. Je t'habille à nouveau. Reçois le boulot. Reçois le boulot. Reçois tes papiers qui vont te permettre de travailler au nom de Jésus. Reçois. Chaque fin de mois, tu vois l'argent dans ton compte. Reçois. Reçois la faveur. Je te déconnecte à tout homme ou toute femme qui te porte malchance. Tout homme à cause de qui tu as perdu ton boulot. Toute femme à cause de laquelle tu as perdu ton boulot. Je te déconnecte de cette personne.
Les paroles négatives qu'on t'a dit pendant que tu étais dans ce foyer-là, ça fait que tu ne veux plus travailler. Ah, qui va encore vouloir d'une femme comme moi? Alors que tu es une bonne comptable. Tu as fait 5 ans de comptabilité. Tu as 10 ans d'expérience. Tu t'es arrêté, tu étais à la maison depuis. Je dis que j'enlève la poussière sur toi. Je viens te dépoussiérer au nom de Jésus. Je te dépoussière au nom de Jésus. Seigneur, j'enlève tes enfants du trou. Tu seras ta meilleure version. Au nom puissant de Jésus. Tu ne te laisses plus au sol. Tu ne te laisses plus à terre. Au nom de Jésus. Je restaure la lumière dans ta vie, dans ton foyer. Au nom puissant de Jésus. Reçois le travail. Ton mari reçoit le travail. Ton mari reçoit le travail. Vous savez qu'une maison où il y a l'argent, il y a la joie. Une maison où il y a l'argent, il y a la joie. Recevez le travail au nom de Jésus. Recevez l'argent au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Je déclare que vous-même, les hommes, vous entretenez bien vos femmes. Les femmes, vous entretenez bien vos hommes. Au nom puissant de Jésus. Je restaure. J'enlève les problèmes dans votre maison. J'enlève les problèmes dans votre maison. Je chasse les problèmes. Je mets une vague. Je déclare que vous résistez. Aujourd'hui, on est en train de jeûner. Ceux qui ne sont pas dans le groupe de prière, ce soir à 18h, il y a la prière Faya. 18h. Vous allez venir. Prière Faya, ce sera dans le groupe. Écrivez en inbox, vous avez des groupes de prière seulement, c'est tout. On vous met là-dedans. Donc, je jeûne tous les mercredis. Je déclare sur vous tous ces serpents qui étaient dans ton corps qui t'affaiblissaient. Tu as mis l'habit de sport là-bas. Chaque jour, tu penses à ça. Tu penses à ça. Tu regardes comme ça. L'heure passe. 10h, 11h. Tu sors, tu pars. Je vous sors. Écrivez en inbox, je vous en prie. Prenez le numéro de téléphone. 237 693. Prenez le numéro. 693 50 22 66. 693 50 22 66. Je vous en prie, mettez mettez dans le groupe, les gens dans le groupe de prière, ils sont en train d'écrire là. Mais je leur demande d'écrire sur le numéro de téléphone 693. 50 22 66. Donc mettez-les dans le groupe de prière. Il y a prière à 18h. J'ai donné le numéro James, s'il vous plaît. Voilà le numéro dans la page. Écrivez à ce numéro. 693 50 22 66. Vous savez, ceux qui me suivent, faites l'effort. Hein. Moi, je ne vais pas courir derrière vous. Il y a le lien dans la bio de TikTok. Prenez le lien ou bien vous prenez le numéro. Faites l'effort, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes habitué qu'on fasse tout pour vous? Bonsoir, Madame Tedo. I'm not talking in English. This is only my French page. French only. French only. No English, okay? Je déclare sur vous l'ouverture de votre esprit. J'ouvre votre esprit. Votre esprit, je l'ouvre à nouveau. Toute personne qui avait pour but dans votre vie de vous affaiblir. Parfois, c'est les copines. Elles te rencontrent que tu es en dépression. Tous les jours, elle est là comme ça, là, par là, par là. Et elle-même, elle sait que c'est un honneur pour elle d'être avec toi, de te connaître. Merci beaucoup, ma chérie. Amanda, merci. Elle sait que c'est un honneur pour elle de te connaître. Là, voilà tous les jours derrière toi. Et qu'elle part, ton énergie bizarre. Je vous libère de l'emprise des démons qui passent à travers vos connaissances pour vous affecter. Je déclare la clarté de votre esprit.
Je déclare que vous évitez ces personnes-là. Je déclare que vous ne vous connectez pas avec des personnes qui ne sont pas connectées elles-mêmes avec leur mission de vie, avec leur meilleure version. Merci beaucoup, Gratias. Vous vous élevez aujourd'hui, Todena, merci. Vous vous élevez maintenant pour devenir votre meilleure version. Je déclare que tu vas te rappeler de ce que les gens disaient de toi. Hé, hey, maman, tu es belle, tu te rappelles. Hé, hey, maman, tu sais que si tu vends ça, moi, je vais acheter. Tu vas accomplir, tu vas faire ce que les gens ont vu en toi depuis et que toi-même, tu ignorais. Je mets sur vous l'argent. Je déclare qu'on va faroter sur vous. On va faroter sur vous pour rien. Par la puissance du Saint-Esprit, je vous restaure. Je vous restaure. Je vous restaure. Je vous restaure. Tout combat dans lequel vous avez été, parfois tu entres dans une famille comme ça. Combat sur combat, parce que les gens ne veulent pas que tu brilles. Ils ne veulent pas que tu brilles. Je déclare que tu soulèves ta tête, selon Zacharie chapitre 3. Tu soulèves ta tête. Tu soulèves ta tête. Je te sors des trous dans lesquels on t'a déposé. Je te sors de tes tombeaux, des tombes dans lesquelles on t'a déposé. Qui fait que tu te négliges? Tu négliges, tu te négliges, tu négliges ton corps. Ton ventre est là, les bourrelets par-ci. Je déclare que tu te remets en place. Tu te ressaisis. Tu te ressaisis. Écris si je me ressaisis. Tu reviens en toi. Tu reviens en toi. Avant qu'on ait les enfants, votre vie, vous étiez bien, vous étiez beau. Ta femme et toi. Voilà les enfants. C'est comme si on te gifait seulement comme ça. Vous rêvez le matin, c'est comme si vous a cabossé dans la nuit. Éternel, je déclare que tu montres. Papa, montre à cette personne-ci qui elle est réellement. Que le Seigneur vous montre en vision. Qu'il vous montre en vision. Que les charges et les responsabilités ne vous affaiblissent pas. Je déclare que vous trouvez du temps pour faire ce qu'il y a à faire. Tu trouves du temps pour aller faire tes ongles. Tu trouves du temps pour te mettre en valeur. Ce n'est pas pour rien que quand tu es belle, ça dérange les gens. Vous savez qu'il y a des gens que quand ils arrivent à côté de toi, ils voient, ah, elle s'est négligée. elle s'est négligée. Oh. Non, ça veut dire qu'elle a, elle se prend pour 5 francs. Elle n'est rien. Mais quand la personne arrive, il voit que non. Tu veux que tout soit net. Tu arrives comme ça, tu as prévu ta bouteille pour boire de l'eau. Tu as prévu ton huile pour tes mains. Tu t'assois. Et tu sais qu'à une époque, tu étais comme ça. Hein? Je te sors de là où on t'a déposé. Toute personne dans ta famille, ta belle famille, qui est en train de vivre ta vie actuellement, qui a des bijoux sur elle, les bijoux, les ceci, alors que c'est toi qui devais avoir ça. Maman, tu as commencé ton kit fondation, ton patron dit que on part à Dubaï. Wouh! Ouhou! Ouhou! Recevez vos voyages tout frais payés. Recevez vos voyages tout frais payés. Toute personne qui est en train de construire ta, qui est en train de construire ta maison quelque part, et c'est son nom qui est sur ça, hein, reçoit. Vous savez que vous vivez la vie des gens, non? Souvent, tu restes comme ça, là, tu dis que je souffre même pas comme ça. Hein? Souvent, tu es en train de taxer quelqu'un, la personne te menace. Merci beaucoup, ma chérie, que vous êtes magnifique. La personne te menace alors qu'il y a ta voiture quelque part. Mais ce n'est pas encore toi qui a la carte grise de la voiture là. J'ai des cas que tu te fâches aujourd'hui, tu vis dans le luxe. Tu te fâches aujourd'hui, tu vis dans le luxe au nom de Jésus. J'appelle les bonnes collaborations avec toi. Tu es censé avoir une plateforme où tu as beaucoup de collaborateurs. Vous travaillez ensemble, vous multipliez l'argent. Tu travailles avec les influenceurs, tu fais tes produits. Merci que c'est là. Oh là là, la couronne là va très bien avec mes cheveux. Je déclare que tu te reconnectes. Je recrée tes connexions au nom de Jésus. Tu ne te prends plus pour 5 francs. Je recrée tes connexions. J'avais rencontré le ministre de tel. J'avais rencontré la femme de tel ministre. Oh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Oh, je déclare que ce qu'ils pensent de toi, c'est ce que toi-même tu penses de toi. Waouh, je veux travailler avec cette femme-là. Merci Aïcha. Je veux travailler avec elle, vraiment. Je déclare que tu reçois ton professionnalisme. Reçois ton professionnalisme. Reçois les outils dont tu as besoin pour travailler. Tu arrives quelque part, tu es respecté. Je déclare que tu upgrades. Écris ici, je change de niveau. C'est déjà en anglais, vous n'avez pas écrit. Je change de niveau, je vais au niveau supérieur. Je vais au niveau supérieur. On ne te reconnaît plus. On ne te reconnaît plus. On ne te prend plus pour 5 francs. On ne te prend plus pour 5 francs. On ne te prend plus pour 5 francs. Jacques, merci.
On ne te prend plus pour 5 francs. Merci pour les fleurs, coach Célo. On ne te prend plus pour 5 francs. Reçois, ma chérie. Pourquoi tu arrives comme ça? Quelqu'un sait que il peut t'appeler comme si commandement pour 5 millions. Mais tu doutes de toi. Tu doutes de toi. Donc, papa Yahweh, montre à cette femme qui elle est. Père, montre-lui ce qui elle est. Tu ne dois pas rouler à Paris dans les métros. Tu dois être à Paris avec ton chauffeur, avec ta voiture. Reçois au nom de Jésus. Tu dois être entre deux avions, ma chérie. Peu importe le village où tu vis, comme tu m'écoutes actuellement, je te donne maximum 30 jours. Tu changes de niveau. Tu n'as pas encore le passeport, hein? Je déclare maximum 2 semaines, tu auras le passeport. Recevez vos passeports au nom de Jésus. Recevez vos visas au nom de Jésus. Vois-toi, ma chérie, tu as ton magasin, tu as ton salon de coiffure. Vois-toi, tu voyages, tu achètes la marchandise. Quand tu arrives comme ça, tu atterris, la marchandise est vendue. Est-ce que tu es venu souffrir? Écrivez ici, je ne suis pas venu souffrir. Déclarez. Si bien que tu arrives, quelqu'un te traite, tes anciens clients qui te faisaient te trimbalaient. Tu dis, paye-moi en avance, on te tourne. Oh, tu arrives, on te fait attendre 2 heures de temps. Après, quand tu arrives, oh, 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 hey, hey. C'est fini, hein? Débarrassez-vous de tous les clients-là. Tu n'es pas venu souffrir dans cette vie. Tu n'es pas venu souffrir. Reçois ton argent. Toute personne qui te doit, il te rembourse ton argent au nom de Jésus. Je tourne le cœur. J'inverse le cœur qui était tourné négativement de toute personne avec laquelle tu as commencé une collaboration. Et là, ça a viré. C'est maintenant le genre, il fuit tes appels. Cette personne t'appelle maintenant pour te dire, je fais mon commande pour te donner ce que tu demandais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens t'upgrade. Tu vois de nouvelles façons de se faire de l'argent. Tu vois de nouvelles façons de se faire de l'argent. Des façons plus nobles. Des façons plus belles. Plus aisées de se faire de l'argent. En te faisant de l'argent, tu es encore à l'aise. Tu es dans la clim. Tu n'es plus sous le soleil. Tu n'es plus sous le soleil au nom de Jésus. Je vous enlève du soleil du marché. Vous ne souffrez plus sous le soleil. Merci, coach Célo. Vous ne souffrez plus sous le soleil pour vous faire de l'argent. Je te mets dans la clim. Je te mets dans la voiture. Dans les avions. J'ouvre tes yeux. J'ouvre tes yeux. Ta gorge gratte. Ta voix s'ouvre maintenant. Tu parles. Ta bouche est comme le miel. Tes paroles sont comme du miel mielleux au nom de Jésus. Je t'enlève du soleil. À partir d'aujourd'hui, ce sont maintenant tes clients qui t'appellent. Je vois que quelqu'un t'avait proposé une collaboration. Après, c'est parti. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Merci, coach Célo. La personne va te rappeler. Oui, oui. Tu as le passeport? Non. Ok, viens à Yaoundé demain. 3 jours plus tard, tu as le passeport. 3 jours, tu as le passeport. Recevez. Les collaborations qu'on voulait faire avec toi. Business de 50 000 euros là, que c'était en stand-by depuis. Je relance ça. À ce moment que vous m'écoutez, je suis en train d'envoyer mes anges pour qu'ils retournent votre situation. Ils retournent votre situation. Tout ce qui paraissait désespéré. Je retourne votre situation. Je retourne votre situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets la perfection sur toi. On te regarde comme ça, on dit waouh. Ton chocolat revient. Eh, eh, le choco. Eh, eh, le choco. Le choco. Le choco, le choco, choco. Eh, eh, eh. Recevez vos chocolats. Oh. Chocolat, oh. Chocolat revient. Amen. Je vous stabilise. Je stabilise ta relation avec ton chocolat. Je déclare que tu as traversé toutes tes souffrances. Tu as déjà traversé toutes tes souffrances au nom de Jésus. Je déclare que tu as déjà traversé toutes tes souffrances. C'est bon comme ça. On va te mettre en business class. Tu arrives, on dit, madame, vous allez prendre le VIP aujourd'hui. Nous sommes désolés, madame, il n'y a plus de place en classe normale. On vous a upgrade. You've been upgraded.
You've been upgraded. Je viens vous upgrade au nom de Jésus. Je viens t'upgrade au nom de Jésus. Je viens t'upgrade au nom de Jésus. Tu vas accoucher sans problème. Cet enfant qui est dans ton ventre, tu vas délivrer cet enfant sans problème au nom puissant de Jésus. J'enlève les complications, dépose la main sur le ventre. Je parle à cet enfant qui est dans ton ventre. Je déclare la protection sur lui, celle qui veut concevoir. Pareillement, je déclare l'enfant que toi et ton mari vous cherchez depuis. Recevez cet enfant au nom puissant de Jésus. Je mets la stabilité. Je déclare que ce que le docteur a dit qui était alarmant, c'est inversé au nom puissant de Jésus. J'inverse toute situation alarmante dans ta grossesse au nom puissant de Jésus. Celle que tu as eu une fausse couche, tu as peur de concevoir à nouveau. Bah, tu te dis, ah, ça va se passer mal. J'enlève la peur de ton esprit. J'enlève la peur de ton esprit. Je restaure ta relation avec ton mari. Je restaure ta relation avec ton mari au nom de Jésus. Recevez votre enfant. Recevez votre enfant. Recevez votre enfant au nom puissant de Jésus. Je mets l'aisance dans ton foyer. Je déclare que toi et ton mari, vous avez l'harmonie. Tu dis A, il dit B. Vous finissez vos paroles. Vous finissez. Vous finissez vos phrases. Vous finissez vos phrases. Je mets l'harmonie dans ton couple. Je mets l'harmonie dans ton foyer. J'appelle ton âme sœur à toi. J'appelle ton âme sœur à toi. Cette personne te localise aujourd'hui. Vous vous rencontrez, vous vous reconnaissez. J'enlève le voile. Tout ce que l'ennemi a prévu pour faire que vous ne vous rencontrez pas. Je déclare que les plans de l'ennemi pour ta vie sont annulés. Tous les projets qu'il a pour ta vie, je les annule à cet instant au nom de Jésus. Toute attaque spirituelle dont tu as été victime depuis quelques heures, depuis quelques jours, toute faiblesse, toute fatigue que tu ressens, quand tu écoutes cette parole, ça rentre dans ta chair. Je parle à ta chair maintenant. Retrouve la santé. Je parle à tes os, à ta moelle épinière. Je renouvelle ton sang. Je renouvelle ton sang. Je déclare que les cellules qui seront conçues dans les 180 jours seront des cellules saines au nom de Jésus. J'enlève les douleurs que tu as eues pour cette césarienne, cette partie de ton ventre qui fait mal, les pieds qui font mal. Je restaure tes pieds. J'enlève les douleurs dans tes pieds au nom de Jésus. Je déclare que tu es en train de recevoir une guérison totale. Totale. Mettez la main sur la poitrine. Tout égrégore dans votre poitrine. Tout mauvais esprit qui était dans votre poitrine, la glaire là, qui est calée là-bas. Je déclare que ça sort, comme tu m'écoutes. Je sors comme ça. Je retire tout égrégore dans ton œsophage au nom puissant de Jésus. Je déclare que ça sort sous forme de vomissement, sous forme de crachat. Toute entité négative, tout serpent dans ton ventre, je déclare qu'il sort au nom de Jésus. Il sort sous forme de vomissement, sous forme d'excrément, sous forme de pipi, au nom de Jésus-Christ, sous forme de saignement. Je libère ton ventre. Je libère ton ventre. Je dégonfle ton ventre. Je déclare que ton ventre devient plat à nouveau au nom de Jésus. Ton ventre devient plat à nouveau au nom de Jésus. Je restaure les finances de ton mari. Depuis quelques mois, il n'a pas de boulot. Et tu sais que la joie dans votre famille, c'est quand il y a l'argent. Je déclare que j'enlève la honte maintenant. J'enlève la honte sur ton mari. J'enlève la honte qu'on lui fait depuis là. Le manque de respect qu'on fait à ton mari parce qu'il n'a pas l'argent. Je donne le boulot à cet homme. Je déclare que son intelligence, il est reconnu pour son intelligence au nom puissant de Jésus. Ses compétences, ses capacités, c'est ça qui lui donne l'argent. Je multiplie cet argent par 10 au nom de Jésus. J'appelle cet homme qui se lève de tout trou là où on l'a déposé. Toute personne qui a attaché ton mari, que ce soit sa soeur, que ce soit sa mère, accorde-toi avec moi maintenant selon Matthieu chapitre 18 au verset 18. La Bible dit, si deux personnes s'accordent, tout ce que vous allez demander sera fait au nom puissant de Jésus. Nous détachons, détachez, allez, je détache mon fiancé, mon mari, où qu'il soit, si tu ne le connais pas encore. Je déclare qu'on se rencontre. Je m'accorde avec vous deux, avec vous pardon, nous sommes deux, pour que nous détachions vos maris, vos fiancés, vos hommes, ton homme là qui a été attaché, nous le détachons. Nous déclarons qu'il va sortir pour bouger. S'il était paresseux, il sort, il bouge maintenant. Il sort, il récolte. Le Seigneur te bénit à travers lui, au nom de Jésus. Les douleurs sur le cou, toute douleur sur le cou ici derrière. Je viens contre tout serpent qui a été planté dans ton cou. Tout serpent que l'ennemi a planté dans ton cou. J'enlève ce serpent à cet instant, au nom puissant de Jésus. Toute douleur dans ton cou, toute douleur dans ton cou, je te libère de cette douleur par la puissance du Saint-Esprit. Je viens t'upgrade. Tes revenus augmentent. Merci beaucoup, la soeur de Colette. Il n'y a que nous deux qui l'appelons Colette. Elle n'aime pas. Aïe. Ah, yeah. Je viens t'upgrade. Je viens upgrade ton foyer. J'upgrade ton mari. Je change le niveau de ton mari. La promotion dans son travail. Je déclare que tu as un mari généreux. Toute personne qui suçait les finances de ton mari. Toute personne qui faisait que ton mari n'aimait pas donner son argent. Je déclare qu'à partir de cette fin de mois, il porte l'argent qu'il a touché, il vient avec, il dit chérie, bénissons ça, utilisons ça ensemble.
Papa Yahweh, je viens bénir cette famille. Je bénis vos enfants. Je bénis vos enfants. Je déclare l'abondance dans votre famille. L'harmonie. Toute personne qui est venue pour mettre la zizanie entre toi et ton mari. Ah, pourquoi tu es, c'est toi qui as la cuisine? Alors que toi, la femme, tu es peut-être en train de faire le night shift. Je déclare l'harmonie dans ton foyer. Vous vous entendez. Vous vous entendez. Même dans le lit là, je déclare que le chocolat devient encore sucré. Au nom de Jésus, je restaure votre vie amoureuse. Je déclare que votre relation entre vous de là est restaurée au nom de Jésus. Toute troisième personne, que ce soit son frère, que ce soit sa soeur, qui parle mal dans les oreilles de ton homme depuis, qui ne, même si c'est toi-même la femme qu'on a te détourné depuis, ta famille a te détourné, je déclare que cette personne-là maintenant qui vous détournait, on enlève cette personne de vos conversations, de votre esprit. Toute femme ici qui a trompé son mari, je déclare que tu arrêtes avec cet homme. Tu arrêtes. Je restaure ton foyer. Je restaure ton foyer. Je restaure l'amour entre toi et ton mari. Toute femme qui est peut-être aussi est sortie avec ton mari. Je déclare à partir d'aujourd'hui les liens du mariage qui vous lient, l'engagement que cet homme a pris vis-à-vis de toi. Je rappelle cela dans les oreilles du Seigneur. J'envoie les anges pour qu'ils séparent ces deux personnes-là. Toi qui es légal, toi qui es reconnu, toi à qui il a pris des engagements. Je déclare qu'il respecte ses engagements vis-à-vis de toi. Au nom de Jésus, j'enlève la peur. Tu n'as plus peur qu'il t'abandonne. Tu n'as plus peur qu'il t'abandonne au nom de Jésus. J'enlève la douleur dans ton cœur. La douleur que tu as reçue, que tu as ressentie à cause de cette personne à l'extérieur. Tout homme ici, que ta femme t'a fait tellement de mal. Je restaure. Je déclare que cette femme reçoit la sagesse. Je prie pour les jeunes personnes qui veulent se marier maintenant. Je déclare sur les hommes, je déclare que votre femme, ta fiancée là, je mets la sagesse dans cette femme. Je déclare que tu apportes l'argent, elle sait comment gérer, elle sait comment investir. Je déclare sur ta fiancée, elle est fidèle au nom de Jésus. Je déclare que tu es sa personne préférée. Je restaure votre relation, je restaure votre conversation au nom de Jésus. Toute personne que l'ennemi a plantée pour vous séparer, j'enlève ces personnes. Je déclare que sa main ne sera pas contre vous, ta main ne sera pas contre vous. J'appelle l'argent pour faire votre mariage. Recevez des dons. Le Seigneur me dit de vous dire de mettre une date de mariage. La personne concernée saura. Mettez une date de mariage. Il y a des forces qui veulent résister votre union. J'enlève, prenez 3 jours de jeûne ensemble. D'ailleurs, je crois que je vais déclarer 3 jours de jeûne. Donc, on est en train de jeûner normalement aujourd'hui, mais à partir de demain, on fait 3 jours de jeûne. Ça, ce sera pour la restauration des foyers et pour les mariages de ceux qui sont fiancés. Toute personne que son mari est loin, le 3 jours de jeûne, c'est là, c'est pour que vous vous retrouviez. Le visa, l'argent pour faire le mariage. L'argent pour faire le mariage, recevez cet argent. Mettez-moi une date précise. Si c'est juin 2024, mettez juin 2024. Partez dans le calendrier, vous cherchez la date. Pendant que vous déterminez cette date, j'appelle par la puissance du Saint-Esprit l'argent nécessaire pour que vous vous mariez. L'argent nécessaire pour que vous puissiez établir votre foyer. Je déclare au nom puissant de Jésus, la honte sur ton mari est enlevée. La honte sur ton fiancé est retirée au nom de Jésus. J'accélère votre mariage. Je mets la volonté dans votre cœur. Je mets la volonté dans votre cœur. La volonté pour vous établir. J'appelle l'argent pour que vous ayez une maison qui est bien équipée. Je déclare que ton mari porte, ton futur mari ou ton fiancé, il porte un business qui va lui donner assez d'argent pour qu'on fasse tout ça. Je déclare ici que ton mari ou ton fiancé reçoit l'argent pour aller te doter au nom de Jésus. Ton fiancé reçoit l'argent pour aller te doter au nom de Jésus. Ma chérie, mets la main sur le front. Je déclare que tu seras honoré. Tu seras honoré. Il va déclarer devant tout le monde que c'est toi. Il va déclarer devant tout le monde que c'est toi. Oh, que c'est elle. Je déclare, ma chérie, que ton mari, je mets l'envie dans le cœur de cet homme de t'honorer. Il t'appelle ma femme. Tu dis oui, mon chocolat. Oui, mon pain sucré. Je restaure l'amour dans ta maison. 25 juin 2024. Au nom de Jésus, les dates que vous écrivez ici, j'envoie les anges, l'ange Michael, pour qu'il coupe la tête de tout démon qui vous a empêché de vous marier. Qu'il coupe la tête de tout démon qui vous a empêché de vous marier. J'expose les personnes qui complotaient contre votre union avec votre fiancé au nom de Jésus. Si c'est une fille qui est oppressée par sa belle famille, j'expose les belles sœurs, que ton fiancé voie, que ton mari voie la situation, que ce que ta belle famille fait, ce que ses frères et sœurs font contre votre union. Je restaure votre désir d'être ensemble. Je restaure votre cœur. Fais ce que ton cœur te dit. Même si tu as dit que c'est fini, le Seigneur te montre qu'il y a encore espoir. Crois. Crois. Fabiola et Joël, nous scellons votre union. Fabiola et Joël, oui.
Nous scellons votre union. Mettez les noms pour les restaurations de mariage. Ludovic et Ophélie, Marlène Miquel, Jean-Marc Routoum, Théo et Estelle, Maurice et Gracias, Comi et Antoinette, Julias et Malcolm, Suzanne et Théophile, Antonio et Marjorie, Joanita et Serge, vous n'êtes pas venus souffrir. Vous n'êtes pas venus souffrir. Je mets la lumière dans vos foyers au nom de Jésus. Que vous fassiez tout. Mariage coutumier, mariage religieux, mariage à l'état civil. Rama et Mohamed, Josiane et Henri, Amandine et Armand, Raïssa et l'autre, Vanessa et Samuel, Yvette et Christian, Nancy et Togem, Chantal et Jean-Claude, Rachel et Jean-Luc, Patrick et Marie-Julienne. Je déclare qu'on va jeûner à partir de demain pour les foyers. Ok? Liboire et Yolande, Nancy et Uli, Patrick et oui, j'ai déjà dit, Raïssa et Denise, Lionel et Elvis, Dorgelès et Tatiana, Stéphane et Nadège, Zaïb, Zénab et Abenam, Caroline et Yannick, Marina et Omar, Linda et Patrick, Carole et Paul, Rachel et Isidore, Calvin et Pascaline, Calvin et Pascaline, pardon, Carole et Paul, Gloria et Romuald. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que votre situation s'améliore. Je restaure votre foyer, je restaure l'entente entre vous, Quentin et Sherita. Tout ce que vous mettez ici, je déclare, vos foyers sont restaurés. Ghislaine et Kader, Dimitri et Jonas, Safi, Kevin et Gabriel, Aïcha et Antoine, reçois ta grossesse. Merli et Manip, Inès et Vincent, Simone et Maxiline, Nadège et Emmanuel, Esther et lui, Alain et Léonce, Christelle et Gaël, Bordeline et Christelle, Yannick et Fernande, Okushi et Anita, Christelle et Donald, Alain et Gisèle, Nadège et Richard, Orti et Jude, Myriade et Georges, Renate et Winner, Alimatou et Fatoumata, Priska et Amon, Zénab et Abenaf, ça c'est dire à lui, Anne et Roger, Antoine et Yasmine, Romain et Sylvie, Saïdou et Raimatou, Reka, Franklin et Olive, Madeleine et Samuel, Christelle et Sama, Derboise et Dali, Mounira et Wena, Marina et Nikes, Stéphane et Aline, Angelo et Ornella, David et Stéphane, Patrick et Micheline, Cathy et Gabriel, Patricia et Audrey et Daniel, Félix et Belinda, Ulrich et Samou, Orti et Judith, Josiane et Henri, Joël et Naya, Ruth et Joël, Michel et René, Elodie et Charles, Marie et Bill, Archange et Alida, Epiphanie et Abdul, Rose, okay, Patricia et Charlie et Barcel, Bozolien et Claudia, Emmanuel et Jeanne, Yannick et Rebecca, Français et Jacques, Yvonne et Nana, Corotoum et Jean-Marc, Claude et Freddy, Louisette et Stéphane, Rebecca et Odilon, Razila et Mohamed, Ange et Merveille, Josiane et Henri, Marie, Laure et Louise, Patricia et Roméo, Océane et Eloge, Anne et Adama, Prisca et Amon, Pélagie et François, Ornis et David, je scelle vos unions, Nancy et John, Laure et Angela et Robert, je scelle vos unions, que personne ne vienne se mettre dans votre foyer, que personne ne vienne vous séparer. Léa est parfait, Seka, Gilda et Fatouma et Fatou. Mireille et Jirès, Antoinette et François, David et Mireille, Ange et Steve, Marie-Janine et Philippe, Valérie et Honoré, Rebecca et Samuel. Je viens fortifier et unir votre union à nouveau. Qu'on ne puisse pas utiliser la puissance du feu pour vous faire du mal. Qu'on n'utilise pas la puissance de l'eau pour vous séparer. Qu'on n'utilise pas les paroles pour vous séparer, ni l'air, ni la puissance du vent. Marianne et Patrick, Bouchira et Saïd, Corinne et Raphaël. Toute arme forgée contre vous est sans effet. Merci Marie-Laure. Partout où on a parlé contre vous, contre votre couple, que ce soit une ex, que ce soit une personne de votre famille, vos familles respectives qui vont vous séparer, je déclare que la puissance de votre amour est forte. Écris ici, notre amour est fort. Notre amour est fort. Notre amour est fort. Notre amour est fort. Notre amour est fort.
là où ton fiancé se trouve, ton copain, ton mari, je déclare qu'il reçoit. Il reçoit un dépôt de votre amour à nouveau. Cet amour est renouvelé dans son cœur. Cet amour est renouvelé dans son cœur. Je viens le déchaîner, je déchaîne ton mari, je déchaîne ta femme, toute personne qui avait envoûté ton mari, toute personne qui avait ensorcelé ton mari. Je viens désenvoûter cet homme. Je déclare qu'il se rappelle de l'engagement qu'il a fait avec toi. Au nom de Jésus. Jean-Claude et Adélaïde, Edwige et Landry, Michael et Sandy, toute personne qui a voulu vous séparer, Michel, Mirella et Grégory, Don et Priscille, toute personne qui a voulu vous séparer, je déclare que ces paroles qui ont été dites contre vous sont annulées, Linda et Denis, Josiane et Henri, je restaure votre foyer, je restaure votre lumière, je restaure votre amour, l'amour auquel vous étiez engagé, Minko et Bongolo, Bingolo, Gladys et Armel, je déclare votre amour est restauré, votre amour est restauré, Armand et Amandine, Laetitia et Ponce, je restaure votre foyer, je restaure votre foyer, je mets l'abondance dans votre maison, je déclare que tes pensées sont vers ton mari, son argent augmente, nous bénissons, dis à cet instant, tu prononces son nom, je te bénis, bénissez vos fiancés, bénissez vos maris, bénissez-les, 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 bénissez vos fiancés, bénissez vos maris, bénissez vos maris, bénissez-les, au nom de Jésus. Nous annulons ce que l'ennemi a fait. Tout ce que l'ennemi a fait comme projet contre votre mari, j'annule au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a mis comme plan contre votre mari, j'annule au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. Je remets la force dans ton homme. Allez-y, prononcez. L'homme, tu peux dire pour ta femme. Ok? Je remets la force dans toi, mon épouse, mon époux. Le diable attaque beaucoup les foyers. Parfois, tu restes comme ça, ton mari te déteste, tu le détestes, tu ne sais même pas pourquoi. Si on te demande comme c'est quoi, tu ne sais pas. Que quelqu'un est parti, il vous a attaché quelque part. Nous bénissons nos maris là où ils sont. Moi-même, je te bénis, mon mari. Nous bénissons nos maris là où ils sont. Je viens mettre une puissance de protection autour de vous. Je mets la lumière. Toute personne qui émet son désir à cet instant, je mets une lueur de protection. Je restaure le lien qu'il y avait entre toi et lui. Que vous puissiez penser en accordance. Que vous accordez. Tu dis que, mais bébé, j'ai pensé à ça. Moi aussi, j'ai pensé à ça. Oui. Oui, je restaure votre amour. Et vous savez, quand ton mariage ne va pas, tu souffres en silence. Tu souffres en silence. Parce que tu sais que tu vas me parler à qui? Personne. Je détache ce qu'on avait mis pour attacher ta femme. Je détache ce qu'on avait fait pour attacher ton mari. Je déclare que vous reconnaissez la valeur de chacun d'entre vous maintenant. Parfois, tu fais les efforts, il rentre comme ça, il néglige. Je déclare qu'il fait tout pour te plaire. Toi, tu fais tout pour lui plaire. Je ne vous sépare plus. Toute personne ou toute chose qui a fait qu'il n'ait pas son papier à temps pour te rejoindre. On s'accorde maintenant pour libérer les papiers de nos maris, de nos femmes. Allons-y. Allons-y. Visualisez. On prononce son prénom. Reçois ton papier. Reçois le visa pour venir, on soit ensemble. Ou si c'est la femme, reçois. Ou tu dis, moi-même, je reçois mon visa pour aller rejoindre mon chéri. J'enlève la distance entre vous. J'enlève le fossé qui a été creusé par l'ennemi. J'enlève ce fossé. Je déclare que toi et ton mari, toi et ton chéri, toi et ton fiancé, vous êtes ensemble. Peut-être que vous n'avez pas l'argent pour payer, vous pouvez même vivre ensemble. Actuellement, il doit te laisser chez tes parents. Bénissons les poches de nos fiancés qui veulent nous doter là. Allons-y les femmes. Reçois de l'argent pour pouvoir me doter. Papa Yahweh, je déclare que les personnes qui m'écoutent ici, tous les foyers qui sont mis dans cette prière que j'émets à toi, Dieu de l'univers, Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tikenu, notre Dieu de paix. Jéhovah Nissi, c'est lui qui combat nos combats. Jéhovah Shalom, c'est un Dieu de paix. Je mets la paix dans votre foyer. Je mets la paix dans votre foyer. Je mets la paix dans votre foyer. Je déclare que vous n'avez plus honte de votre mari. Peu importe les erreurs qu'il a faites dans le passé. Je déclare que tu lui pardonnes cette tromperie au nom de Jésus. Tu pardonnes cette tromperie au nom de Jésus. Lui aussi te pardonne ce que tu as fait au nom de Jésus. Toute mauvaise chose qu'on est parti lui dire. On est parti lui dire pour qu'il te déteste. Il est fâché avec toi sans raison. Nous allégeons leur cœur à cet instant au nom de Jésus. Il y a une femme là, on te dit, tu es en train de m'écouter, on me dit de te dire que tu dois remettre, prie pour que cet homme ait la faveur, qu'il te donne la faveur à nouveau. Allez-y.
tout engagement que ton futur mari a pris vis-à-vis de toi, il va honorer. Je rappelle à cet homme ce qu'il avait pensé de toi. Je remets ça dans son cœur. Je bénis vos offrandes. Toutes les femmes qui sont en train de s'aimer ici, là, je déclare que ces hommes qui se sont engagés avec vous, là, ils reviennent. Ils reviennent. Ils reviennent. Je mets l'argent dont vous avez besoin. Je mets l'argent dont vous avez besoin au nom de Jésus. Ils reviennent. Ils reviennent. Nous les appelons. Nous appelons l'argent dont ils ont besoin. Tous les projets que vous avez déposés à terre depuis, même si c'est 5 ans, même si c'est 10 ans, je restaure votre amour. Vous allez faire l'amour, ce sera même plus qu'avant. Eh, chocolat, oh. Eh, ouais, oh. Tu vas crier jusqu'à... Je ne veux pas détourner le débat, mais bon. Je restaure votre entente dans la chambre au nom de Jésus. Je restaure. Tu crois que tu vas rester un an sans faire en attendant que ton mari est... Maximum 2 mois, il reçoit ses papiers pour venir avec toi au nom de Jésus. Elle reçoit ses papiers. Maximum 2 mois. Les 3 jours de jeûne, c'est comment le jeûne demain pour vos mariages là. Moi j'aime le chocolat. Hein? Ah, moi. Moi. Ah, mon mari connaît, pardon. Il faut me laisser. Pardon. Il connaît. Je vous bénis. Ah! Je vous bénis. J'enlève la distance. Parfois, il te connaît comme ça. Là, il trouve le boulot quelque part. Il part. Il te laisse. Ma chérie, dans les 7 prochains jours, un homme va revenir dans ta vie comme ça. Là, tu vas dire, ah, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Je dis que c'est vrai, mamie. Tu es en train d'enlever les voiles qu'on avait mis sur toi. J'enlève les voiles. J'enlève les voiles. J'enlève les voiles. Toute personne qui t'a caché. Toute personne qui t'a caché. Toute personne qui t'a humilié. Toute personne qui ne voulait pas que tu avances. Reçois, reçois. Demain, on commence le jeûne. J'enlève le voile du célibat. Seigneur, s'il y a n'importe quelle malédiction dans ma famille qui empêche qu'on se marie, qui fait que les hommes viennent, ils toquent la porte, ils fuient parce que la porte s'est cassée. Seigneur, j'enlève cela de moi. Je vais vous donner les lavages spéciaux à faire pendant les 3 jours-ci. Ceux qui sont à Douala, vous devez partir prendre les roses. Demandez à Douala qu'on vous donne les roses. Vous allez faire le bain de Cléopâtre. Depuis 2 semaines, Dieu ne fait que me mettre sur l'attirance. Je dois restaurer. Vous devez vous marier. Vous devez enjoy le mariage. Vous devez enjoy. Et votre mari doit être riche. Tout ça en même temps. On ne doit pas choisir un, on laisse l'autre. Si tu es en Europe, achète carrément des roses physiques. Parce que j'ai fait venir, j'ai acheté des roses beaucoup. Donc il y a ça à Douala. Ceux qui sont à Douala, vous demandez les roses. Ça va nous servir pendant le jeûne-ci. Je vous donnerai les ingrédients dans le groupe. Rose, miel, lait. Et encore deux, trois trucs. Tu peux acheter un bouquet peut-être de 2 x 3, 6. Prends au moins 6 roses, au moins. Oui. J'espère que vous êtes dans le groupe de prière. Parce qu'on va faire les prières à minuit aussi. Il y a certaines prières que c'est mon mari qui va conduire. Lui, là, dans la prière, c'est le faya. Il ne blague pas. C'est le faya. Voilà. Donc, ce sera dans le groupe en privé, ça va pas ici. Donc, vous écrivez seulement, allez pour écrire un message sur TikTok, écrivez-moi un message. À Douala, si vous êtes à Douala, il y a les roses à Douala. Je déclare, écrivez seulement un message. Je vous donne le numéro. Quelqu'un écrit le numéro ici, s'il vous plaît. 237-693-50-2266. Dans ma bio de TikTok, il y a le numéro. Dans ma bio de TikTok, il y a le numéro de téléphone. Vous pouvez cliquer là-bas, vous partez directement. Vous dites que groupe de prière. Ok? Prends le numéro aussi, Beauty Clinic. Tu prends le numéro, tu écris, tu pars à Douala chercher. Et le bain de mariage, là, je dois encore le relancer. J'ai fini les bains hier. Donc, si tu n'as pas reçu ta vidéo du bain de mariage, tu peux demander. Bain de mariage, je vais remettre à 15 000 parce que c'était remonté à 25 000. Donc, je remets à 15 000. Supposons que tu es célibataire, tu veux trouver l'homme sœur, te marier. Vous êtes ensemble depuis longtemps, le mariage ne s'est pas encore fait. Ou bien s'il est loin.
Parce que beaucoup d'entre nous, on néglige ça. J'ai remarqué que beaucoup de personnes négligent. Vous négligez beaucoup. Ce qui fait que ça affecte. Il y a des, ce n'est pas parce que tu négliges de prier pour ton mariage que les gens ne vont pas aller bloquer ton mariage, ma chérie. Mettez l'index dessus. 693, donc c'est le 237, 693, 50, 22, 66. Et pour celles qui ont déjà commencé le traitement, vous prenez le kit chocolat. N'achetez pas les roses, prenez le kit chocolat. Et les roses dedans. Ça, c'est le bain de Cléopâtre. Il y a des gens qui œuvrent pour gâter ton foyer. Donc, tu as commencé les autres kits. Tu prends le kit chocolat. Voilà, merci. Je vais donner ça à Madame N. Le kit chocolat au Cameroun, vraiment, je ne sais pas. Je crois que c'est 80 000 au Cameroun. Côte d'Ivoire, ça va être 110 000, un truc comme ça. Oui. Le numéro de la Côte d'Ivoire, c'est le 225-07-79-02-52-05. Et le bain, pour ceux qui veulent faire que je fasse leur bain, moi, si je travaille sur vous pour ça, on fera le jeûne. Le jeûne et les prières, c'est gratuit pour tout le monde. Maintenant, tu veux que je travaille sur toi pour débloquer malédiction générationnelle pour le mariage. Tu écris et tu demandes tu payes pour le bain. Ça, c'est 15 000 francs par Wave, Orange Money ou MTN Money. Voilà. Donc, voilà le numéro que j'ai épinglé. 237-693-50-22-66. Merci beaucoup, Uralie. Merci, Madame Brown. J'ai donné le numéro de Côte d'Ivoire déjà, oui. Oui. Tu peux allumer la bougie pour ton couple. Ça, c'est les choses qu'on fera. On mettra ça. Ça sera, on va vraiment aller sur 3 jours d'intense. On va rien faire les prières la nuit. Donc, il va vous prendre à minuit. C'est lui qui va vous faire à minuit. Si l'homme t'a quitté, il vit déjà avec une autre. Est-ce que vous êtes marié? Vous êtes déjà divorcé? Parce que c'est des petits trucs comme ça. Il y a aussi les consultations de couple. Ça, c'est un service totalement différent. Vous pouvez aussi prendre les consultations de couple. Ça, c'est à part. Maintenant, ceux qui veulent seulement la prière, on le fait. Donc, vous écrivez à ce numéro, vous dites que vous voulez entrer dans le groupe de prière. Donc, j'ai dit 225-07-79-02-52-05. Bonjour, madame, vous allez bien, j'espère. Je vais venir à l'appartement parce que les gens n'ont pas venu livrer les meubles. Moi, je suis déjà ici, mes enfants. Dites-moi, madame, la tenue que je dois récupérer chez la couturière, c'est quoi? C'est une robe ou bien c'est des uniformes? Parce que je l'appelle. La couturière a un tissu. On a au moins, on m'a offert 20 mètres de tissu. Donc tu récupères ça chez elle, c'est tout. Oui, je suppose que ton offrande est arrivée. Je vous en prie, écrivez pour le groupe de prière, écrivez. La foi virtuelle. Je suppose que tu n'as pas besoin d'être ici. C'est quand les gens font leur témoignage, c'est là que ce que je fais, je ne doute même pas. Je n'ai même pas de problème. Ce que je fais, je sais que ça marche. Donc, ça ne me dérange pas. Si quelqu'un arrive ici, ce n'est pas son truc, il n'y a pas de problème. Pour celles qui sont loin de leur copain, là, je déclare que ton gars ne sera pas détourné par aucune femme. Personne ne détournera ton gars au nom de Jésus. Personne ne détournera ton gars au nom de Jésus. Personne ne détournera ta femme au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes unis. Le lien de mariage qui vous unit là, je le fortifie encore plus. Personne ne viendra détourner ta femme au nom de Jésus. Je déclare l'harmonie entre vous dans le foyer. L'harmonie entre vous dans le foyer. Allô? Oui, oui, parle rapidement, je suis en direct. D'accord, c'est bon. C'est seulement Dieu qui donne. Pardon, je ne veux pas les pauvres ici. Je suis trop de bonne humeur. Donc vraiment, je ne peux même pas. Je n'ai même pas le temps des pauvres ici. Vraiment. Vraiment. Je n'ai même pas le temps. J'ai les amis. Qui est ton ami ici là? Hey. Attends. Voilà. Je continue. Nous sommes marié et actuellement je fais le kit fondation. Reine Diane, continue seulement. Maintenant, quand ton mari a été pris et que la personne a fait du vaudou sur lui et qu'il est là-bas, c'est contre sa volonté. Parce que quand je travaille sur les gens, je dois m'assurer d'abord que
il n'y a pas quelque chose qu'on a fait sur cet homme. Parce qu'il y a des personnes qui te quittent comme ça, c'est sa propre volonté. Tu comprends, non? Que c'est lui-même qui veut. Donc là, c'est différent. Donc on travaille d'abord de façon que si c'est quelqu'un qui a fait, et je vous donne des opportunités, il y a les soeurs des gens qui travaillent aussi contre eux. La soeur peut-être de ton gars, il est peut-être en bain là-bas, sa soeur aussi en bain. Et il te vient, il te voit, il veut t'épouser, il veut te faire venir. La soeur commence à le décourager. La soeur commence à lui dire, vraiment, tu n'as pas besoin. Vraiment, c'est comme ça que ça se gâte. Après, tu veux dire, commence à devenir distant. Il commence à devenir distant. Je n'aime pas les pauvres aigris. Tu m'as compris, César. Parce que les pauvres sont généralement très aigris. Tu donnes quelque chose et puis tu insultes. Je ne suis pas dedans. J'ai les pauvres où je ne peux pas donner mes choses. Tu as compris, non? Jésus aimait les pauvres. Il fallait venir insulter Jésus. Tu vois s'il va te donner. Parce que c'est comme ça que vous faites. Il a le dégoût de toi. Ah, vous êtes marié, il ne te voit plus dans la maison. Oui, ça aussi, je crois qu'on doit avoir fait ça. Ça, c'est pas quelque chose. Il y a les belles-mères aussi. Elles voient, par exemple, que son fils te fait. Il faut, quand vous venez de rentrer dans une relation, observez un peu les paroles de votre belle-famille. Parfois, on voit comment il te fait les cadeaux. Pourquoi? Comme ça, en passant, hein. Souvent, les gens te disent que on va voir jusqu'où tu vas arriver. Pour trouver son âme sœur, on va commencer le jeûne demain. Jeûne et prière demain. Oui. Quelle beauté sur nous. Et ce sont les, ils sont entre, ils, quand ils te disent comme ça, là, c'est qu'il y a des personnes. Ce n'est pas parce que toi, tu ne fais rien qu'eux, ils ne font pas. Donc, il y a des belles familles qui savent. Ils viennent te check. La belle sœur vient te check. Est-ce que la fille, elle se protège? Est-ce qu'elle connaît même qu'on peut faire les lavages? Est-ce qu'elle connaît? Dès qu'elle te voit que tu es simple, que tu es simpleton, c'est là maintenant qu'elle peut être saine. Et il y a des familles que quand tu rencontres, tu les rencontres comme ça, ils ne veulent pas le problème de leur frère. Formation à oratoire, tu as déjà payé. À oratoire et emploi de temps, oui. Ça, on va lancer à partir du 1er décembre. Vous payez, on vous met dans le groupe. Oui. Tu viens, tu commences à donner les conseils à ton mari. Il commence à planifier, voilà, il a acheté le terrain, il veut construire, problème. Parce que sa mère et ses soeurs ne veulent pas. Elles veulent que son argent soit seulement pour elles. Je vous dis. Et parfois, on met l'esprit de rejet entre toi et ton mari. Oui, ma chérie. Il y a des gens qui partent mettre le rejet, dans la haine. Tu le regardes comme ça, là, hein? Parfois, on met même que dans toi. Toi-même, toi, la femme. C'est toi qui ne l'aime pas, qui ne l'aime pas. Parfois, on fait aussi, il ne veut pas rester à la maison. Oui. Parfois, on ne fait pas, mais c'est toi qui portes des entités. Tu as des malédictions avec lesquelles tu n'as pas dealé. Tu as des malédictions avec lesquelles tu n'as pas dealé. Et ça t'agit sur ton mari. Ça le tape. Donc, voilà le numéro de téléphone, plus 237 693 50 22 66. Donc, vous demandez à Douala qu'on vous donne les roses. Vous demandez aussi l'huile essentielle. Ça, ce sera pour te moindre avec après. L'huile rose, huile essentielle. Retenez bien. Et du miel, rose, huile essentielle, miel. Avec miel de commandement. Donc, je vais dire ça à mon staff. On va faire de ça un petit kit. Rose, des roses, de l'huile essentielle, du miel de commandement, du miel simple aussi, et du lait aussi, du lait qui est là-bas au Cameroun. Et une dernière chose, voilà, avec du thé. On va faire ce kit-là à... Mettez ça à 15 000, s'il vous plaît. Jésus est Seigneur. Merci, va prêcher ailleurs. Tu as compris, ma chérie. Je vous connais très bien ici, là. Je ne suis même pas là pour vous aujourd'hui. Je suis trop de bonne humeur. Bonjour. Quand le corbeau est veillé sur toi comme ça, là, c'est chaud. Il doit y avoir des personnes qui ont marché, fait des choses sur vous. Et malheureusement, les gens gâtent beaucoup les couples. Beaucoup. À ça, on doit ajouter du thé à la lavande. Oui.
Je déclare sur vous la restauration. Voilà le numéro, vous écrivez, vous dites groupe de prière. Voilà. Je déclare que vos idées reviennent en place. Vos idées de business reviennent en place. Vos idées reviennent en place. Pour ceux qui sont en Europe, à moins que tu n'aies quelqu'un qui vient au Cameroun et qui prend. N'appelez pas, écrivez, parce qu'elles ont trop de messages. Si vous appelez, ce n'est pas bon. S'il vous plaît, le téléphone 693, prenez. Parce que vous devez vendre les choses dont je viens de parler dans le direct aux gens. Et ils vont venir chercher ça aujourd'hui ou demain. Ça, on commence un jeûne demain matin. Donc décrochez le téléphone, s'il vous plaît. Donc, j'ai parlé des consultations de mariage aussi. On fait des consultations de mariage. Interprétation de rêve aussi. Interprétation de rêve, c'est 10 000 francs. C'est payant. Voilà, ok? Consultation de mariage, c'est payant. C'est une autre personne qui fait ça. Maintenant, moi, je fais le travail pour restauration de mariage. Le jeûne de demain commence à 6h. 6h, 18h. 6h, 18h. Pendant 3 jours. 6, 18h. Écrivez particulièrement pour votre mariage. On va au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci Adabi. Brady, merci. Vous méditez sur la restauration, l'attraction de votre âme sœur, la restauration de votre mariage. Consultation express, j'avais dit pendant une semaine, c'est ça. 10 000 francs en euros pour consultation de rêve, c'est 16 euros. Consultation générale, c'est au même numéro. Je vous réveille. Je vous sors de tout trou. Tout trou dans lequel vous avez été. Interprétation de rêve, actuellement c'est en promo, c'est 10 000 francs. Pendant une semaine, on a encore peut-être 5 jours, donc vous pouvez mettre 10 000 francs dessus. Tu médites. Premièrement, tu médites sur la restauration de ta beauté. Donc, si tu n'as pas attiré ton âme sœur, parfois tu vois un homme comme ça, là, il te voit, il prend ton numéro, il veut te relancer, ça disparaît. Il y a tellement de témoignages sur les gens sur qui j'ai fait le travail l'autre jour. Si tu n'as pas la rose, tu laisses, mamie, tu veux que je te dise quoi? Oui, le bain, tu peux le faire pendant que tu es en période. Annulation de mariage d'âme, c'est délicat. Ne dites pas seulement comme ça là pour rien. Comment tu sais que vous êtes marié d'âme d'abord? Comment tu sais? Est-ce que vous avez prononcé des paroles vis-à-vis l'un envers l'autre? Donc ça, c'est différent. Lavage âme sœur, j'ai bien dit, c'est 15 000 francs. Ça remonte à 15 000. Lavage âme sœur, j'ai terminé hier. Aujourd'hui, c'est 15 000 francs. Les consultations... Le numéro est dans la bio en tout cas. Ok. Il y a aussi le lavage pour le déblocage du travail. Ça, c'est d'autres. J'ai fait tous les travaux sur les gens hier. Donc, si quelqu'un n'a pas reçu son travail spirituel, qu'il demande, s'il vous plaît. Pour la Côte d'Ivoire, écrivez. Je m'assure que vous êtes dans le groupe d'abord. Si vous n'êtes pas dans le groupe et puis vous commencez à demander, je vais m'égosiller ici là pour rien. Vous savez, parfois l'ennemi va venir bloquer par anticipation. Il bloque ton mariage parce qu'il sait que si tu te stabilises maritalement, c'est bon. Ta vie va faire comme ça. Vous savez ça, non? Ah, si la fille-là se marie, comme ça qu'on toque la porte, après on fuit chez toi. On vient, on toque la porte, après on fuit. La porte se casse. C'est comme ça que tu es dans la dépression tous les 6 mois. Dépression de rupture. Si vous avez intégré le groupe, c'est bien. Super. Tu es marié actuellement. On a prié ce soir parce qu'il y a jeûne aujourd'hui, normalement. On jeûne aujourd'hui. Donc la prière se fait dans 2 heures de temps à 18h. Ça, ce sera en ligne, c'est sur Zoom. Ok? Vous
vous écrivez au numéro qui est là pour entrer dans le groupe, s'il vous plaît. Je déclare que vous rencontrez votre homme de destinée. L'homme là avec lequel tu vas accomplir ta destinée. L'homme là avec lequel tu vas te sentir. L'homme qui ne va pas te frustrer. Je te réveille. Je déclare que tu crois que tu mérites. Que tu crois que tu mérites. Il n'a pas trop d'argent pour toi, ma chérie. Vous pouvez être ensemble. Vous pouvez être ensemble. Parfois, tu es là comme ça, là, tu rencontres un homme, il a tellement d'argent que ça te frustre. Il est même intéressé par toi, tu te dis, ah, est-ce que c'est même moi? J'enlève la honte de ton cœur, mamie. J'enlève la honte sur toi. Je déclare que tu soulèves ta tête. À tout moment, peu importe là où tu le rencontres, tu es là. Tu es représenté, mamie. Tu es là. Il te voit comme ça, là, que tu as ton bel habit sur toi. Le numéro du Gabon de la Côte d'Ivoire, 0779. 02-52-005. Il y a 5 à la fin. Lumière, Madame Lumière, là. Je te relève. Le numéro du Gabon, 074-18-0080. Je suis au Gabon. Ce matin, j'étais à Douala. En France, c'est bientôt, on va établir bientôt. Oui, pour la Côte d'Ivoire. Relevé. 074-18-0080. Tu vas réussir ton examen, ma chérie. Je ne suis pas encore installé au Togo, mais on poste les produits là-bas. Je mets en vous le désir d'aller plus loin. Je mets en vous le désir d'aller plus loin. Le désir d'aller à l'ambassade, traverser toutes les procédures pour prendre ton visa. Le désir. Merci beaucoup, Olivia. Le désir de demander ton visa pour partir. Le désir de partir te réinscrire à l'école pour fréquenter. Tout employé dont tu manquais, reçois les employés pour gérer ton business au nom de Jésus. Claude et Aurélie, recevez. Mariez-vous. Si vous n'êtes pas encore marié, je mets la paix dans ton foyer, Aurélie. Américain, merci. Je consulte à distance, pas physiquement. Recevez les employés dont vous avez besoin. Ta vie a changé depuis que tu m'as connu, c'est super. Que ça continue, Nicole. Je me rappelle, je crois que je me rappelle du premier soir où tu entrais dans mes directs. Oui. On est en train de jeûner aujourd'hui. On finit à 18h. Maintenant, on va encore jeûner demain, après-demain et le jour d'après. Pour attirer son âme sœur, restaurer son foyer, restaurer son entente avec son mari. Et aussi pour que nos maris et nos femmes trouvent le travail. Je déclare que les dépressions et les ruptures sont terminées dans votre vie au nom de Jésus. Je déclare que les dépressions et les ruptures sont terminées de votre vie au nom de Jésus. Je déclare que toutes tes souffrances sont terminées. Je déclare la fin des souffrances sur ta vie. Mettez vraiment une petite portion. C'est des produits dont ils ont besoin pour faire 3 jours de jeûne. Ok? Donc je mets 15 000 comme ça. Là, je sais pourquoi je demande. Mettez vraiment des choses, c'est pour 3 jours. Parce qu'elle doit faire le bain de Cléopâtre.
Et il y a encore d'autres choses qu'on fera pendant le jeûne. Donc, mettez ça, laissez ça à 15 000, s'il vous plaît. J'enlève les dettes sur toi et ton mari au nom de Jésus. J'enlève les dettes. J'enlève les dettes. Allô, papa, j'ai déménagé. Je sais pas, j'ai voyagé ce matin, papa. Désolé. Donc, quand j'irai de retour au Cameroun, je vais te faire signe, papa. Bisous. J'ai donné les numéros. Bonjour James, bonjour. Ton gars est dur avec l'argent. Prie d'abord pour lui, ma chérie. Parfois, sur toi, il y a un esprit de rejet. Il y a un esprit de rejet qui fait que ton gars, même quand il te voit, parfois il veut, hein. Mais c'est ça l'esprit de rejet. Travaille sur toi, ma chérie. On va voir le numéro de la Côte d'Ivoire que je vais épingler. Je déclare l'argent sur vos foyers. Le lavage mariage. Pas de roses bleues, ma chérie. Tu as vu les roses bleues? Ok. Les roses que je vends à Douala, ce sont des roses naturelles. Il y a quelque chose qu'on va faire. C'est un rituel qu'on va faire avec. Voilà. Je libère l'argent de votre foyer. Je libère l'argent de votre foyer. Que tout fardeau qu'il y avait sur votre dos, tout ce qui faisait que votre foyer n'avait pas toujours la paix, j'enlève au nom de Jésus. Fardeau, les fardeaux que ton mari porte, il s'occupe de tout le monde dans la famille, il n'a pas le temps de vraiment t'aimer. J'enlève au nom de Jésus. S'il vous plaît, écrivez-moi sur WhatsApp. On va répondre. Quand vous venez faire l'appel comme ça, là, je suis en direct, je peux répondre. Voilà. La prière sera à 18h. Donc, dans 2 heures de temps, on va faire la prière. Vous pouvez vous connecter. Ceux qui sont déjà dans le groupe, on va lancer la prière dans 2 heures de temps. Donc, c'est mon mari qui va diriger la prière, ce ne sera pas moi. Bon, je vous bénis. Est-ce que vous avez encore besoin de quelque chose, les numéros ou bien quelque chose? Tout fardeau reporte votre mari. Nous enlevons ça en nous accordant ici ensemble. Sky Bidonnaire, je sais que vous attendez une seule phrase pour dilaver l'esprit de rejet. C'est quelque chose qui demande, c'est un travail qui prend du temps. Il y a des femmes ici là, je vous racontais l'autre jour l'histoire de cette dame. Elle m'a approché en novembre, non, fin octobre, environ le 22 octobre 2022. Et elle avait demandé une énième fois le visa pour la France, on n'avait pas donné. Et celui qui l'aidait à faire les papiers là-bas, ça ne donnait pas. Voilà. Donc, là, voilà, qui se plaint, voilà, je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas. Et elle arrive, donc elle prend un kit fondation, lavage. Donc, il y a de cela, 3 semaines. J'étais allé via Libreville, donc j'étais à Libreville, j'ai fait donc, je lui ai fait un lavage physique, donc je travaille sur elle physiquement. Elle s'est couchée, elle était physiquement, elle est tombée malade pendant 3 jours. Elle se lève de son lit jeudi, elle me fait le message vendredi que maman, je me sens nouvelle. Que le monsieur qui faisait mes papiers en France, là il me dit que c'est la femme, en fait elle a une tante qui est en France et le monsieur passait par la tante pour faire ses papiers depuis. Il me dit que le monsieur m'a dit que c'est ma tante là qui ralentissait ma procédure, qui ne veut plus passer par elle. Qui ne veut plus passer par elle. Voilà comment le vendredi là, elle me dit que voilà, il a dit qu'il ne passe plus par elle. Maintenant, il va toujours faire mes papiers. Voilà le numéro de la Côte d'Ivoire. Merci, dame. Voilà comment il dit qu'il va passer maintenant par. Que c'est lui-même qui va faire ses papiers. Il dit ça vendredi. Hein. Dimanche matin, à 8h30, elle m'écrit. Elle me dit que maman, le monsieur là m'a demandé un mariage. Il m'a demandé un mariage. Depuis 8 ans que je suis divorcée. Pas d'enfants dans ce foyer là où je suis partie. Mais c'était le travail, c'est un an de travail, c'est pas la blague. Même avant qu'elle voyage, elle va encore venir travailler sur elle. Mais les kits aussi, les kits. Les kits. Elle prend le produit, elle fait. Elle tape un kit 2 mois, après le mois, elle prend encore l'autre. Elle prend, on poste au Canada, maman. Tu as compris? Quand vous commencez à me suivre, armez-vous de patience. J'enseigne beaucoup. Ce n'est pas le premier jour que tu me suis que tu vas finalement acheter mes produits. Donc, je ne suis même pas ici seulement pour les produits, mais d'abord ton mindset. D'abord ton mindset. Maintenant, le jour où tu as fini de te laver avec le sel jusqu'à ce que tu es contente, tu viens maintenant acheter mes propres produits. Et j'ai dit, si tu te laves avec le sel pendant 2 semaines, rien ne change positivement dans ta vie. Arrête de te laver avec le sel et ne me suis plus. Parce que je vais parler du sel tous les jours. Et tu vas croire que je mens. Oh, je sais que je ne mens pas.
Donc, je vous redonne les numéros en général, ok? Pour le Gabon. Toutes les personnes qui se disputent avec toi, là, c'est le lavage, là, qui fait ça. Plus 237 numéros du Cameroun. Plus 237, 693, 50, 22, 66. Donc voilà le numéro du Cameroun. 693, c'est dans ma bio. C'est dans ma bio sur TikTok. Allez regarder mes vidéos, vous allez comprendre ce que j'enseigne. Ok? Mon numéro est dans la bio de TikTok. Quand vous arrivez dans le direct, regardez quand même, non, j'ai épinglé un numéro là-bas. Vous écrivez, vous dites, c'est un groupe de prière. On va vous mettre dans le groupe de prière. Groupe de prière. Merci beaucoup, gauche. Tu as envoyé ta photo ici. Je ne vois pas de photo, mamie. Ah, le jeune homme, s'il a... J'ai senti quand j'ai vu ta photo que tu as des blocages. J'ai fait des travaux sur les gens hier, je n'ai pas vu ta photo. Donc, je vais encore te remettre en priorité. Je t'avais dit ça, que tu fais, tu prends une consultation. Tu as beaucoup de lumière sur toi. Je crois que les gens de ta famille ont fait des choses pour te voiler. Tu as compris, non? Et vous devez être très patient avec moi parce que... Il y a des personnes, le petit ici par exemple, l'autre j'étais en direct, elle était en train d'écrire à la secrétaire. Et le bain de sel se fait matin et soir en passant. Matin et soir. Le bain de sel, ok? Ma chérie, on ne vient pas supplier ici. Je prie pour vous tout le temps. Ne supplie pas, donc beg, ok? Et j'ai vu sa photo, lui dit, j'ai dit au petit cela que tu es quelqu'un de très ambitieux qui est censé réussir. Mais ta famille, quand c'est comme ça, t'avais qu'on a immobilisé sa mère déjà avant de lui faire du mal. Si tu viens d'accoucher, tu ne gênes pas, mais tu suis les prières avec nous. Ok? On va le numéro du Cameroun là-bas. Ceux qui veulent entrer dans le groupe de jeunes. 693, donc 237. 693, 50, 22, 66. Ma chérie, quand tu as un problème, ne pleure pas. Anne avait un problème d'accouchement. Elle s'est mise à genoux. Elle a jeûné. Quand on donnait à Dieu, elle ne mange pas. Parce qu'elle voulait sortir de là. Donc, ce n'est pas en pleurant ou en suppliant. Non. Ok. Ah, il y a une fille qui m'a beaucoup remercié pour le travail que vous avez fait sur elle. Au départ, lorsque je parlais d'elle, elle doutait. Tu parlais de moi, elle doutait. Voilà. Si quelqu'un n'a pas la foi, je ne vous force pas avec mon travail. C'est pour ça que quand vous venez que, est-ce que ça va marcher, ça va marcher, je dis que pardon. Non. Je ne suis pas là pour les... que tout va s'ouvrir en un jour. Non. Pour la Belgique, tu vas faire le transfert dans un compte en Belgique là-bas. On a un compte en Belgique là-bas. On va te donner le Liban. Tu payeras 125 euros. Pour me parler, c'est 120, 125 euros. Il y a d'autres consultants. Donc, on est en promotion avec les autres consultants parce que je suis très occupée. Voilà. Bon. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes que vous me suivez, mais vous n'étiez pas dans le groupe de prière. Je peux aussi que votre vie de prière se relance vraiment. Que votre prière, votre vie de prière redémarre. C'est que quand il y a le feu dans ton cœur, là, il y a le feu dans ton corps, ça, tu terrasses d'abord les choses en avance. Voilà. Donc le jeûne commence demain. Ok? Le Gabon, 074-18-0080. Voilà. 074-18-0080. Je déclare que vous recevez. Esprit de rejet, commence à te laver avec le sel. Esprit de découragement, laver. Je sais que quand il dit le sel, vous simplifiez. C'est pour ça, c'est ça votre problème. Le numéro de la France, pour l'instant, contactez le Cameroun. On va résoudre votre problème pareillement. Contactez le Cameroun. Cameroun, 237-693-50-22-66. S'il vous plaît, mettez plusieurs personnes sur le 693. Merci.
693 50 22 66. Lavage au sel, c'est sur ma page. Merci beaucoup, Jésus. Merci, je sais pas. C'est pas bon. Bonsoir, Jésus. Lisa, merci. Même si tu écris pour aller dans le groupe de prière, tu dis que tu veux, tu écris seulement mon numéro là, tu dis groupe de prière. Maintenant, j'ai bien dit qu'il y a les lavages âme sœur, c'est 15 000. Si vous voulez, vous prenez ça. Lavage de déblocage, c'est 35 000. J'ai fait la promotion. Je crois que la promotion s'arrête aujourd'hui à minuit. Lavage de déblocage. Bon, je crois que je vous ai donné toutes les infos, non? On va se voir pour la prière tout à l'heure. La prière, ce sera à 18h. À minuit aussi, ce soir, je crois qu'il y aura prière. Oui, pas que je crois, il y aura. Et on commence le jeûne demain, on lance le jeûne demain. Donc, 6h, 18h et minuit pendant 3 jours. Je bénis votre travail spirituel, je bénis vos idées. Lavage des blocages, c'est 35 000 en promotion. Normalement, c'est 50. Le lavage âme sœur, c'est 15 000 normalement au lieu de 25. Si vous êtes marié, le mariage, ça ne va pas. Parce que parfois, il y a des belles sœurs, c'est plus pour enlever ça. OK? Si vous êtes fiancé et le mariage est bloqué depuis, vous ne savez même pas pourquoi. En tout cas, celles qui ont connu ça sauront de quoi je parle. C'est aussi pour restaurer cela. Parfois, il te rencontre, il dit, je vais te donner. Et puis, celle de mariage, là, il y a aussi le kit chocolat. Prenez le kit chocolat ou le kit attirance. Bon, maintenant, j'ai bien dit que ce jeûne, si on le fait pour les relations, ce sera le jeûne totalement pour les relations. Donc, mais les prières seront axées par là. Malédiction familiale, mariage, déblocage de mariage, déblocage d'argent de ton gars. Tout ça pour stabiliser la famille. Vous qui n'avez pas de petite amie, vous priez pour attirer, si tu veux, bien sûr. Tu vois, tu es fiancé, il t'a promis, et depuis là, vous ne parlez, il ne parle plus de ça. Ouais. Et tu sais, parfois, ça t'a tellement fait languir que tu ne penses même pas que tu mérites de mariage. Tu es là comme ça, on te dit, attends, tu es là, tu attends. On te demande que tu attends quand tu ne sais même pas ce que tu attends. Alida, tu as les vibrations. Hein? Non, non, tu as une autre dimension. Tu es en train de... Oui, déblocage maternité aussi, vous pouvez mettre. Et surtout, si c'est relation. On doit consolider vos relations. On doit consolider vos mariages. Tout ce qui frustre vos mariages, là, on enlève. Oui. Voilà. OK. À tout à l'heure, alors. Vous avez les numéros. On a le numéro principal pour le Cameroun. 237 693 50 22 66. Vous écrivez sur le numéro, vous dites que vous voulez entrer dans le groupe de prière. Tout ce que l'ennemi a fait pour bloquer votre foyer, pour bloquer votre mariage, pour mettre les problèmes dans votre maison, nous allons déraciner. Je déracine déjà à cet instant au nom de Jésus. Je déclare l'accélération de ta date de mariage. Ta femme vient te retrouver, vous restez ensemble. Vous allez vivre dans le pays de rêve que vous avez prévu. Allez vivre dans votre pays de rêve. Brady Miel, donne ton numéro, je vais donner ça à mes... Apprenez à chercher. Dans la bio de TikTok, il y a le numéro. Dans la bio. Va dans la bio, tu vois, il y a un lien là-bas, un lien Bitly. Oui, le lien sera envoyé dans le groupe des Reines et Rois. Si vous êtes déjà dans ce groupe-là, ça va. Vous restez là-bas. On n'a pas créé. On a créé un deuxième groupe, mais c'est pour les gens qui viennent de commencer à me suivre. Pour qu'ils soient sûrs qu'ils veulent vraiment me suivre, quoi. Je vous expose. Je vous expose. Là où on vous avait caché. Je viens enlever la couverture sur vous. Au nom de Jésus. 07, là, c'est quel pays? C'est la France. Oui, je crois que c'est la France.
La France aussi a 07. Voilà, c'est la France, d'accord. Voilà le numéro de la dame, 60749. Là, prenez ce numéro et vous lui écrivez lui. Vous la mettez dans le groupe. Côte d'Ivoire, 0779 02 52 05. Donc, tout ce que vous avez reçu dans ce direct, même si vous n'allez plus me suivre plus tard, je scelle cela par le sang de Jésus. Je déclare, comme vous continuez votre chemin, que vous avancez bien, j'enlève tous les blocages que vous avez eus. Le lavage des blocages, promotion, c'est 35 000. Donc, je vois quelqu'un qui est en train d'écrire à ma secrétaire là-bas. Non. Ne venez pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce que quand elle parle ici, je mets dans le groupe. Lavage des blocages, c'est 35 000, s'il vous plaît. Merci. Il n'y a pas de numéro pour le Canada. Ne vous dérangez pas, je vais venir au Canada moi-même trouver ma part de personne. Les gens, pour l'instant, c'est difficile. Chacun a toutes ses occupations, donc... tout ce que vous avez reçu ici comme bénédiction, nous déclarons que ces bénédictions ne disparaîtront pas. Le numéro du Gabon, c'est le 074-18-0080. 074-18-0080. PayPal, Aurélie, A-U-R-E-L-I-E, Michel, M-I-C-H-E-L-L-E, 2017-gmail.com. Voilà. Blandine, que c'est la lumière quoi qui est sur moi comme chat. Comme chat. RDC, pour l'instant, on n'a pas de numéro. Je restaure les relations qui étaient abîmées. Parfois, tu sais que ton homme l'a persisté avec toi. Tu sais que l'homme l'a supporté quand tu étais désagréable. Je restaure l'amour dans son cœur et dans le tien. Que tu aimes à nouveau ton mari, au nom de Jésus. J'enlève les jaloux. Je protège votre relation de tout mauvais œil. Tout mauvais œil, toute manipulation sur votre relation, j'annule au nom de Jésus. Je scelle cette prière par le sang de Jésus. Voilà. Donc, groupe de prière, s'il vous plaît. Le lien est dans la bio. Prenez le lien dans la bio, vous cliquez dessus, vous entrez dans le groupe. Donc, on fera la prière aujourd'hui 18h et minuit. Dans les jours de jeûne, il y a la prière à minuit. Fire prayer à minuit. OK. Soyez bénis. Passez une bonne après-midi. Maintenant, je reçois vos compliments. Dites-moi alors, donnez-moi vos compliments. Et dis merci. Tu ne veux pas cliquer dans la bio pour prendre le numéro, n'est-ce pas? Mona, tu ne veux pas aller prendre le numéro, pourquoi? Merci, Boss Lady. Merci. Merci, Perfecta. Les autres jours, vous allez complimenter, mais vous allez quand même suivre ce qui est dit, non? Bien aussi, merci. Merci beaucoup, Ibou, je ne sais pas trop quoi là. Merci. Merci, que le Seigneur me garde. Merci. Dis belle, intelligente, pleine d'amour. Magali, tu m'écris depuis un mois. Eh ouais. Merci. Amen. Mashallah. Merci. Adja, merci. Presque. Le secret de montagne. Je vais sortir mes huiles bientôt. Ma marque d'huile arrive. Préparez-vous pour acheter. Ce sera l'huile lumière. Ça met la lumière sur vous. Merci beaucoup. La lumière est sur ma vie. Oui, vous jeûnez pendant que vous faites le kit fondation. Mon numéro est dans la bio de TikTok.
Le groupe, c'est Reine et Roi, c'est ça. Merci pour la protection, Mashallah. Je reçois. Je dois être mannequin. Ok, je vais y penser. Ouais. Roland, Nina, merci. MTK, tu vis. Comment faire pour intégrer le groupe? Il y a le lien dans la bio. Vous cliquez sur le lien. Merci. Naomi, merci. Tatou, merci. Je t'envoie de la lumière pure. Tu as été ravie de serrer ma main hier soir. On s'est rencontrés où? Je sais que beaucoup d'entre vous, vous me rencontrez et puis vous me dites. Bon, les Camerounais sont très... Camerounais, quand ils te voient, je ne veux pas que tu cours derrière moi pour dire, oh, mais moi, dis-moi, tiens, ah tiens, j'écoute tes vidéos. Hein. Les Camerounais ne font pas généralement ça. Parce qu'ils ont peur que on dise que... ils ont peur qu'on dise que ils ont... Ils font le maraboutisme. En tout cas, moi, ils m'en foutent. Vous savez que quand tu pars pour délivrer les gens qui bloquent les gens, ce sont eux que ça va déranger. Quitte fondation avec le jeûne de 7 jours. On jeûne demain, après-demain et le jour d'après. Merci beaucoup, mon Jésus-Christ. Effectivement, le Seigneur m'a donné un grand cœur. Tu veux me présenter à Dubaï? Ah, ok, pas de souci. Je crois que le visa de Dubaï prend 20 jours maintenant. Donc, contacte-moi, on commence la procédure. Si vous voulez m'inviter dans votre pays, faites-moi signe. Ok? Je vais venir dormir chez vous. Sony, merci. Bonjour à Liu de Sénégal. Oui, le numéro de la CI, oui. Si tu as l'aide, ne jeûne pas. Maintenant en français. Ok. Merci, Nana. Bonjour, la Camerounaise. Je précise les choses. Merci, princesse. La consultation express, c'est 20 000. Ça se fait avec... J'ai d'autres personnes qui consultent avec moi. Ok. Prunelle de Dieu, merci. Consultation, donc 20 000. Consultation pleine avec moi, plus approfondie, c'est 80 000, 120 euros. Le lavage âme sœur, à partir d'aujourd'hui, c'est 15 000. Lavage de déblocage, promotion toujours, comme le lavage âme sœur qui est en promotion aussi, c'est 35 000. Pour le Bénin, je viendrai au Bénin. Oui, Brandon, tu dis que je suis belle aujourd'hui. Hein? Madine, ok, Madine Nima. Je viendrai au truc en Martinique. Tu n'as pas eu le kit, je peux jeûner. Oui, oui, le jeûne et prière qu'on commence demain pour la restauration des mariages et attirer l'âme sœur, ce n'est pas... le kit ne dépend pas de cela. Rodriguez, tu es scotché, hein? Merci. Oui, vous pouvez me parler en privé. Tu peux faire le lavage sans la consulter. Tous mes services sont indépendants les uns des autres. Et je vous conseille même d'acheter mes produits avant de venir que je vous consulte. Parce que les produits vont déjà commencer à enlever beaucoup de choses dans vous. Beaucoup. Tu veux ma perruque? Que je porte quoi? Hey! Je vous avais dit cela que quand vous venez ne me demandez pas les choses, que oh, je veux ta perruque. Moi, je vais porter quoi donc? Si je te donne ma perruque, qu'est-ce qui reste sur ma tête? Rien, non. Le kit chocolat, c'est pour restaurer l'attraction, restaurer le foyer, restaurer... Le chocolat, non. Ah, tu as brûlé l'encens que tu as acheté chez moi et l'annonce a été magique. C'est super. Est-ce qu'on peut faire le bain sans rose? Est-ce que vous êtes dans le groupe? Le kit chocolat, je crois que c'est 80 000. C'est au Cameroun. Demandez le prix. Écrivez ou demandez le prix. Je
ne connais pas les prix des choses. J'ai un magasin avec 100 articles à vendre. Je ne peux pas connaître le prix de tous les articles. Vraiment. Ah, si j'étais recommandé le kit chocolat, est-ce que tu as déjà fait le kit fondation? Pour me parler, le numéro est dans la bio. Tu veux le kit de blocage? Oui, le kit de blocage en Côte d'Ivoire, prends le numéro 0779 0252 05. Tu écris. Pretty, merci. Germaine, merci. Tu es en Côte d'Ivoire, bonsoir Abidjan. Si tu es Abidjan. Le groupe de prière est jeune, tu écris dans le numéro et puis on te met là-dedans. Merci Renio. Godego, merci. Tu me préfères sur TikTok. Hein? 13 réunions. Je ressemble à une fille que tu connais. Ok. Bon, Facebook, bye bye.